Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on part du côté old school et je vous fais découvrir cette mise à jour non officielle du roman Diesel. On découvre ça après l'intro. Eh bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté des véhicules old school et vieux mode hein, d'ailleurs qui date il me semble de la 1.35 ou 1.34 hein, si je dis pas de bêtises, qui a été créé par Madster et qui a été laissé à l'abandon hein, malheureusement. Et comme d'habitude, il y a des modeurs lambda qui s'en occupent, qui les mettent à jour pour les dernières versions de TS2 et c'est le cas pour ce Roman Diesel. Alors c'est un vieux coucou qui ressemble un tant soit peu à un Savième, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Truck Access Simulator a fait un add-on justement Savième pour ce véhicule. Ça va ajouter quelques accessoires, des calandres notamment pour le transformer en Savième. D'ailleurs, voilà, vous pouvez aller checker tout ça sur le Gumroad de Truck Access Simulator si vous souhaitez transformer ce Roman en Savième. Allez, c'est parti, on va le découvrir ensemble. Vendeur de camions comme d'habitude, concessionnaire modé. Donc oui, voilà, là on est parti loin, je pense, dans les années 60, 70, hein, même si je dis pas de bêtises, pour ce véhicule. Et oui, voilà, il a des allures de Savième, effectivement. Et en tout cas, bon, voilà, c'est vrai qu'on voit clairement que le véhicule n'est pas tout jeune, dans le sens où, enfin, en termes de mode, hein, je veux dire, déjà, on voit rien qu'au châssis, c'est vrai que bah, il a un peu vieilli, mais franchement, ça va, ça va. Il reste encore assez correct. En tout cas, il est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci. Et je pense surtout aux amateurs hein, de véhicules old school, je pense que vous allez être conquis par ce dernier. Allez, on va regarder, donc une seule cabine malheureusement, châssis on en a deux, on a le 4.2 et le 6.4, on va rester en 4.2 en motorisation, donc on est sur des vieux moteurs, hein, bien sûr. Donc là en l'occurrence, vous voyez, 168 chevaux, le plus gros à 525 quand même, donc c'est plutôt pas mal. On va se mettre en version, je sais pas, on en a pas mal en fait, hein, c'est assez complet. Et oui, vous avez les calandres qui changent en fait en fonction des motorisations. Et bien, écoutez, on va mettre celui-là, le 256 chevaux, et ça ira très bien. Regardez, du coup, on a même les filtres et tout, etc. en plus. Enfin, voilà. Bon, on va mettre celui-là, c'est très bien. Hein. Allez, en termes de transmission, donc on a du 5 rapports. C'est très étonnant. On a du 6 rapports et du 12. On n'a pas de ralentisseur, hein, bien sûr, là-dessus. C'est uniquement un frein de remorque. Et on a du 8 plus 1. Donc, bon, là, on est en 6 vitesses. Mais écoutez, c'est très bien. On va laisser comme ça. C'est pas mal. En termes de skin, il me semble que ce véhicule est totalement skinable. Vous pourrez le skinner à l'effigie de votre entreprise. Pour les templates, je ne sais pas du tout où elles sont. Hein, donc, va falloir les chercher sur Google. Mais je pense que vous allez facilement les trouver. Voilà. Donc, ce petit skin est très sympa. Après, c'est des skins old school. Et sinon, bien sûr, hein, des teintes par défaut, etc. Moi, je vais prendre celui-là. Il est pas mal. Ok. Allez, en termes de personnalisation, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, bon, c'est assez restreint, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de slots. Mais bon, voilà. Il y a déjà quelques petits détails. C'est cool. On a un petit rajout de pare-choc ici avec ou sans anti-brouillard. Enfin bon, les anti-brouillards cachés, hein, visiblement. Les feux, on peut les mettre comme ceci. Voilà, donc les feux ronds, les masques, hein, voilà, tout simplement. Bon, bah écoute, on va le laisser ouais, comme ça, c'est pas mal. Au niveau de la calandre, on en a plusieurs, vous voyez. On a la version pâture, on a celle-ci également. Moi, je vais laisser celle-là. Je trouve que c'est celle qui rend le mieux, clairement. Ensuite, petit badge ici. Voilà, on peut mettre Roman, DAC... en peinture, etc, etc. On va mettre un truc comme ça, voilà, je pense que ça ira, hein. Ouais. On va pas se prendre la tête. Ça, on verra ça une fois qu'on sera à l'intérieur. Les rétros, c'est pareil, donc on a plusieurs types de rétroviseurs, vous voyez, hein. Donc bon, bah, après vous choisissez, vous les avez même en peinture. Moi, je vais laisser ceux-là, j'aime bien ceux-là, c'est pas mal. Le pare-soleil, ici on peut mettre, on peut mettre un gyro, comme à l'ancienne, un seul gyro sur le dessus, sinon après c'est les gyros SS, que, voilà, truc banal, on n'a pas de slot, on n'a pas de rampe, c'est un peu dommage, bon. Ensuite ici donc les marchepieds, très bien, ici on a un truc, je sais pas ce que c'est, c'est des clignots sur les côtés, et puis les déflecteurs d'angle, ok, et bah écoute, on va mettre celui-là, c'est pas mal. Les poignées de porte, hein, bien sûr, plastique, peinture ou chrome. Les roues, bah, vous avez déjà des roues ici par défaut. Bon, bah écoute, on va les laisser comme ça, c'est très bien. On va juste rajouter, voilà, on va faire un truc comme ça. Ça, le moyeu, on va le mettre en peinture, on va essayer de faire un truc à l'ancienne, hein, comme ceci. Et on va juste changer les pneus par contre, hein, parce que bon, les pneus SCS, vous êtes gentils, mais voilà quoi,
pas terrible du tout, quoi. On n'aime pas trop ce genre de choses. Et on peut peindre le compartiment moteur, si je dis pas de bêtises, on peut le mettre en chrome également. Ah non, en peinture, ou sinon le laisser par défaut en origine, comme ça. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On a un déflecteur en plus, alors par contre ça fait sauter le gyro, hein, le déflecteur, et on a un slot, bah oui, mais on peut pas mettre les deux. Donc là, bon bah écoutez, c'est pas mal avec le déflecteur, je trouve que ça rend assez bien. Alors j'oublie rien, hein, parce que là du coup ouais, y a pas mal de choses. Là c'est pareil, on peut mettre donc le snorkel ici en position haute ou position basse. Enfin c'est pas le snorkel, hein, c'est... enfin oui, oui, enfin on va dire ça comme ça. Donc pour le filtrage, hein, pour aspirer l'air. Là qu'est-ce qu'on a, bon, on peut pas de le châssis bien sûr, voilà, donc bon bah, c'est pas mal. On peut le laisser en peinture, on va le laisser comme ça. On n'a pas de carénage latéraux, rien du tout, hein, bon ça reste assez classique. On va donc modifier... ici les écrous, on a même ici un moyeu peint. Bon, on va le mettre comme ça. Et par contre, ouais, ouais on change tout ça. Hop, que ça soit plus sympathique. Ah, par contre, vous avez vu, il y a un décalage entre les pneus par défaut. Et ouais, c'est un peu dommage ça. Il y a un petit décalage. Bon, c'est pas bien méchant. Par contre, ça le fait pas à l'avant, mais à l'arrière, ça le fait. Bon, c'est pas très grave. On peut peindre le pare-choc arrière, bien sûr. On peut le mettre en chrome. On a cette possibilité également de passage de roue. On va le laisser en plastique comme ça, c'est très bien, par défaut, ça fait l'affaire, et pas de personnalisation possible à l'arrière. On va basculer à l'intérieur, alors l'intérieur, bon voilà, c'est un intérieur old school, hein, bien sûr, il n'y a pas grand chose, ceci étant dit, il est plutôt bien fait. Franchement, les textures sont plutôt propres, il n'y a pas de problème, gros levier ici, très sympa, voilà, après avoir au niveau de la personnalisation d'intérieur, que je vais faire ici, et eh ben écoutez, bon là, visiblement, je pense que c'est du, ah ouais, ça doit être du Cicel Pack, hein, je pense encore une fois, qui a été rajouté, on a un petit GPS ici, on n'a pas d'éléments du pare-brise, ça c'est dommage, on n'a pas de frange, on n'a rien de tout ça, on n'a pas de slot, on peut juste mettre ici une texture sur la couchette, etc. Pas de slot sur le siège, rien du tout, en fait c'est vraiment restreint sur, bah, sur la personnalisation du véhicule, c'est un peu dommage. Mais bon, là en soi, franchement, je le trouve assez canon, mais bon, dommage qu'il manque cruellement de personnalisation intérieure. En termes d'erreur, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc oui, effectivement, donc ça, le matériel, etc. et compagnie, donc ça, c'est les volants du 6L, donc il faut ajouter le 6L pack pour effacer les erreurs. On a un fichier PMG ici qui n'est pas à jour, deux même, trois, trois, non, franchement, ça va, dans l'ensemble, il est vraiment correct, hein, la mise à jour a été plutôt bien faite. Allez, on achète, on va tester tout ça, a-t-il un son modé? On va le savoir de ce pas, ok, ça c'est plié, c'est réglé, ok, merci. Non, je ne l'ai pas, j'ai le renoté, si je pars avec le renoté, ça ne va pas le faire. Conduire, ok. Allez, on y va, on va tester tout ça ensemble, comme d'habitude. On va se mettre comme d'hab à l'autre bout, voilà, c'est notre endroit favori. Et en plus avec le DLA, ça va faire vraiment canon, quoi. Voilà, il a déjà pris cher le véhicule, non? Comment ça se fait? Vous avez vu les dégâts et tout? C'est bizarre tout ça. Voilà donc ce Roman Diesel. Alors attendez, je vais essayer de me mettre en... C'est un 13, voilà. Roman Diesel, qui est plutôt sympathique en tout cas, vieux véhicule old school. Franchement, il est vraiment cool. Pas le cas de le dire. Mais bon, voilà. Il y a des choses qui vont pas. Alors, on va le démarrer. Bon, on a un son modé, mais je dirais que c'est un son de man, j'ai bien l'impression. Et je pense que ça vient de notre ami Captain Krishbaum. Alors, ils l'ont adapté, bon bah c'est bien, je trouve ça cool. Si t'en dis, bon, c'est un vieux véhicule, normalement ça doit pas tourner comme ça. Hein. Voilà. Les sons, théoriquement, ça doit pas être comme ça. Allez, on va se mettre de nuit, on va tester l'éclairage de ce pain. Hop, j'ai 7.0. On va tester tout ça, voir si ça fonctionne. Alors, feu de position, ok, tout est fonctionnel. Ok, pas de problème, par contre j'ai l'impression de... Non, ça va, c'est assez fluide, y a pas de soucis. Feu de croisement, il fonctionne très très bien. Les feux de route, pareillement. Les clignots, ok. On a bien les plaques, hein, qui se sont générées, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Quant à l'arrière, pareil, les plaques se sont générées. Les freins, marche arrière, les clignots, tout est ok, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... c'est pas si fluide que ça, mine de rien. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui... C'est bizarre. Mais bon. Alors, les compteurs, oui, fonctionnent bien. Donc ça, il n'y a pas de souci, tout est ok. Regardez, même la pression d'huile qui bouge et tout, c'est énorme. C'est vraiment pas mal. Le GPS est fonctionnel, bon voilà, un truc assez banal à l'intérieur. Hein. Bon, alors on va se mettre en journée, on va éteindre les feux bien sûr, la fenêtre s'ouvre-t-elle? Oui, voilà, bon là, ah, on a une manivelle hein, quand même qui est animée, donc ça c'est cool. Bon, on a le son des vitres électriques, bon ça en soi c'est pas très grave, le volant fonctionne bien,
Les clignots, pareil. Bon, on n'a pas de ralentisseur. Les essuie-glaces fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Tout est OK sur ce véhicule. Ah, le frein de parc. Ah, il est là. OK, d'accord, très bien. Et ah, on a même les pédales animées. Regardez, je freine, vous avez vu. Et j'accélère, regardez. Et il y a même l'embrayage, vous avez vu, animé. C'est pas mal. Le levier de vitesse peut-être? Non, pas du tout. Mais bon, voilà. Hop, peut-être mettre ça comme ça. Et donc voilà pour ce Roman Diesel. Donc, est-ce que je vous le recommande? Alors j'ai envie de vous dire oui, parce que la mise à jour a été plutôt réussie. Seulement, le gros bémol de ce véhicule, c'est qu'en termes de personnalisation, on est vraiment très restreint, notamment à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça, c'est pas terrible, parce qu'on aime bien disposer nos petits accessoires, etc. sur le tableau de bord, ajouter des trucs, etc. Ça manque de slot, attire l'arigot, donc clairement, c'est un peu dommage. Je pense que le mieux, c'est clairement de se diriger. Alors certes, il y en a pour votre argent, effectivement, d'aller du côté de Truck Access, où vous allez avoir des Saviem, etc., vraiment de haute qualité et avec énormément de slots et compagnie, vraiment très 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 détaillé et d'une fluidité vraiment accrue, plutôt que de partir sur un véhicule comme ça où on peut pas pouvoir faire grand chose, hein. Voilà, donc à vous de choisir après, hein. Les véhicules gratuits où c'est limite quoi, il n'y a pas grand chose, ou un véhicule payant où effectivement là par contre vous allez avoir des mises à jour à vie. Et d'autant plus qu'il y aura des slots partout, et puis en termes de personnalisation, ça sera bien plus poussé. Ce sera à vous de faire le choix. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.